Le prix du Conseil de Paris, 2200 mètres à parcourir. C'est un groupe 2. Le grand favori s'appelle Goliath, le numéro 1. Il est pour l'instant à l'extérieur. À l'extérieur de Marquisa, le 3 d'Amish, le 4 ou encore de Magnatic qui progresse à l'intérieur. Pour le moment, le 5 Monty et le 2 Zarakem patiente dans la deuxième partie du peloton. Magnatic donc qui s'est retrouvé aux commandes de la course, accompagné à son extérieur par Amish, alors que le grand favori Goliath progresse à l'extérieur. Il est pour l'instant à flanc de peloton, venant devant Marquisa. À l'arrière, Zarakem, le 2, patiente en avant-dernière position, alors que Monty, le 5, ferme la marche. Et avec toujours aux commandes le numéro 6, Magnatic. Magnatic accompagné par Amish qui vient devant Goliath avec Marquisa qui est en quatrième position. Accompagné ensuite par le numéro 5, Monty Zarakem, casaque verte étant toujours à l'arrière. Les chevaux se dirigent vers la descente. Magnatic à l'avantage, sous la selle de Maxime Guyon. Amish vient à son extérieur. On retrouve derrière cela Marquisa qui est troisième. Goliath se retrouve toujours à voyager en troisième épaisseur, né au vent, venant devant Monty qui patiente à l'arrière, tout comme le numéro 2, Zarakem. La descente de la grande piste, Magnatic, toque blanche à la corde, Amish, toque noir à son extérieur. Troisième, le 3, c'est Marquisa. Quatrième à la corde, le 5, Monty, pendant que Goliath vient à l'extérieur, alors que le 2, Zarakem, casaque verte, est toujours en retrait. Direction de la fausse ligne droite, Magnatic qui l'aborde en tête, toujours flanqué d'Amish qui vient à son extérieur. Le long de la corde, on a Monty, puis en dehors, toujours Goliath qui est 3-4e venant devant Marquisa ou encore Zarakem. Magnatic à la corde, à son extérieur, Amish, Goliath en dehors de Marquisa. Marquisa qui a à son intérieur le 5 Monty, alors que Zarakem, casaque verte, est toujours en dernière position. Ils vont bientôt sortir de la fausse ligne droite et aborder la longue ligne droite de Longchamp. Dans quelques instants, Magnatic à l'avantage, Amish est là en deuxième position, Goliath se rapproche, troisième venant devant le long de la corde Monty qui est quatrième, alors que Marquisa et Zarakem sont plus loin. Ils sont maintenant dans la dernière ligne droite avec le 6, Magnatic qui se relance à la corde, Amish venant à son extérieur et Goliath également qui progresse au centre de plus en plus fort. Avec Goliath qui a pris l'avantage désormais sur Amish à la corde, Marquisa à l'extérieur en quatrième position, c'est Zarakem. Goliath à l'avantage avec Amish qui se relance à l'intérieur, Marquisa qui vient à son extérieur, Goliath devant Amish, Amish et Goliath avec Goliath, Amish qui vient en deuxième position et Marquisa qui est troisième et c'est Goliath qui va triompher. Amish sera deuxième, le 3 Marquisa est troisième, le numéro 5 à distance Monty est quatrième. Quelques semaines avant d'aller participer à la Japan Cup, Goliath s'impose pour sa rentrée dans le prix du Conseil de Paris. Il n'avait plus été vu en piste depuis sa victoire dans les King George et il s'impose devant Amish, l'anglais qui lui a offert une belle réplique. La troisième place revient à Marquisa qui avait terminé deuxième de cette course en 2023 et en retrait le numéro 5 Monty va se classer quatrième.